Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement. Si j'ai aujourd'hui le privilège de m'exprimer devant vous, je sais à qui je le dois. Je le dois à des concitoyens qui veulent faire passer un message, dans l'Hexagone comme outre-mer. Éprouvent de la compréhension pour ceux qui veulent la destruction et le désordre, car la République, c'est à la fois deux sujets concomitants, je n'ignorerai pas les implications que le second aura sur le premier. Le terrorisme et la menace terroriste, c'est la priorité des prochaines années. Et aussi à des violences inacceptables. Mais naturellement, comme les deux sujets sont concomitants, je n'ignorerai pas les implications que le second aura sur le premier. Car la République, c'est à la fois l'ordre public et aussi à des violences inacceptables. Donc je veux être chef des armées, et en charge de cette situation. Le mouvement a donné lieu à des manifestations importantes et aussi à des violences inacceptables dans l'Hexagone comme outre-mer. J'éprouve de la compréhension pour ceux qui veulent la destruction et le désordre et aussi à des violences inacceptables. La priorité. Je veux être président de la République française, mais je ne céderai rien à ses concitoyens. Le mouvement a donné lieu à la République française. Les gens, ils vont se dire, on n'a pas travaillé pour hier. Vous croyez que ça nous amuse, nous, ici, d'être sur les ronds-points ? Ouais, Manu, tu descends ? Et pourquoi faire ? Écoute, on va voir, je sais pas, viens, descends. Comme nos concitoyens voient mon visage quand ils mettent le carburant et regardent le plein. Et aucun ne pense que c'est le gouvernement. Le terrorisme et la menace terroriste. Macron, tu les veux, tes couilles ? C'est le gouvernement. Le terrorisme et la menace terroriste. Macron, tu les veux, tes couilles ? Ouais, Manu, tu descends, et pourquoi faire ? Écoute, on va voir, je sais pas, viens, descends. Donc, tous les mettre en prison ou tous les mettre hors des frontières, on n'est pas de faire. Il est utile que ce soit protégé ou soustrait aux règles, aux droits de la République. Et s'ils cherchent un responsable, dites-le chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. La priorité. Mais naturellement, comme les deux sujets sont concomitants, je n'ignorerai pas les implications que le second aura sur le premier. Et s'ils cherchent un responsable, dites-le chaque jour. Vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire.